Salut tout le monde, c'est Ayao sur YouTube pour du Street Fighter 4. Donc, je vais essayer de faire quelques petits matchs online, histoire de s'amuser un peu. Voilà, donc comme d'hab, on va aller en arcade, en mode challenger. On va s'assurer que le Wi-Fi est éteint. Voilà. On va s'assurer que le Wi-Fi est éteint. Hop. Donc, connexion. Attends, je sais plus comment je peux couper mon Wi-Fi. C'est con ça. C'est très très con. Bon. En tout cas, ceci étant dit, bah, j'espère que pour vous ça va. Moi ça va bien, comme d'habitude. Donc, jour de repos aujourd'hui. On va se faire quelques matchs de Street Fighter 4. En espérant, voilà, Wi-Fi, on désactive, voilà, comme ça, pas de soucis. Et oui, hein, donc bien évidemment, ma Xbox, ce que je joue sur Xbox 360 est connecté en RJ45 à ma box, à ma Freebox. Et donc, comme ça, quand je fais ça, je coupe mon Wi-Fi. Bien évidemment, hein, pour avoir les meilleures conditions de jeu possibles, sachant que j'ai les boîtiers CPL, hein, donc de la Freebox Révolution. Alors malheureusement, ce qui est dommage, c'est que donc sur mes j'ai deux boîtiers CPL en fait. Et il y en a un que j'ai branché en direct, hein, en prise directe. Il n'y a pas de rallonge, pas de multiprise, rien. J'ai branché direct au mur. Mince, pourquoi Camille? Non, je prends Gouken. Et donc c'est celle que j'ai branchée au serveur. Donc c'est lui qui nous donne Internet. Et l'autre boîtier CPL pour la Freebox télé. Donc je l'avais aussi branché en direct, en prise directe, mais malheureusement, comme par hasard, ma prise directe est tombée en panne. Donc je suis obligé de passer par une rallonge. Mais bon, c'est pas trop grave, hein. L'essentiel, ça reste que ça soit le serveur qui soit en direct. Hein. Oh mince, ma chope est là. Voilà, j'ai senti le saut. Alors vous verrez, hein, j'ai fait des vidéos, des combats que j'ai fait avec Gold Roger, alias Pixama, donc je vais les uploader sur YouTube. Hein. Voilà, l'overhead ça passe. Donc je mettrai ça. C'est vrai que là en ce moment j'ai bien repris Street Fighter 4, c'est bien, ça fait plaisir. Et comme il est ou il va être gratuit, hein, faut que je jette un coup d'œil dans le Xbox Live Gold. Parce qu'il me semble qu'il va être gratuit ou qu'il est déjà. Donc, du coup, je vais revendre ma version boîte. Et je vais le prendre en démat, hein, parce qu'il est évident que c'est un jeu que je ne vendrai jamais, quoi. Ah. Ah, je croyais qu'il allait faire un dragon. Allez, je vais tenter. Je l'ai pas pris. Super, je l'ai eu. Voilà. Je lui ai mis la pression. Alors, du coup, faut savoir que moi, quand je joue à Street Fighter 4, je regarde souvent mes replays. Alors, pas tous, hein, parce que ça prendrait un temps fou. Mais je regarde souvent mes replays. Et donc, je vois ce qui va pas, ce que je devrais améliorer ou pas. Et en fait, je me rends compte que depuis que Street Fighter 4 existe, bon, j'y joue à toutes les versions de Street Fighter, hein, même sur arcade, dans les salles d'arcade parisiennes, et je vois qu'en fait, j'ai toujours le même défaut. Donc, outre le fait que je n'ai pas une exé de ouf,
Sachant qu'en plus que quand tu joues online, c'est pas forcément dans les meilleures conditions parce que t'as toujours un petit lag. Donc ça, je le mets de côté parce que bon, bah c'est voilà, hein, l'exé c'est vraiment à part. Je trouve que je suis un peu trop statique. En fait, je gère très mal les phases d'attaque et les phases de camp, on va dire. Hein. Sachant que Gouken, normalement, c'est avec son jeu de boules et les anti et les anti-air qu'il y a, normalement, en fait, je devrais être plus sur l'attente. On va pas dire la camp, mais l'attente en fait. Et c'est quelque chose que je gère assez mal. Bon, oh là, putain, il a stoppé mon dragon. Mince, j'aurais pas dû sauter. Vous voyez, par exemple là, j'aurais dû attendre. J'aurais pas dû foncer, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je gère très mal. Bon, peut-être qu'à force de jouer un jour, ça passera. Hein. Après, bien évidemment, le mieux, c'est de jouer offline. Hein. C'est ce qui reste le mieux, quand même. Oh putain. Ouh, oh là là, il m'a fait un combo. Là, je veux pas te louper. Ah, il m'a eu. Voilà, bon là, il a, à mon avis, il a foiré son Hadoken, hein, dans la précipitation. Bon, j'ai eu chaud quand même, hein. J'ai eu chaud. Ah putain, mon dragon. J'avance plus. Ah putain, mon dragon. Putain, j'aurais mis fin à ce combat là. Ouais, bon, bref, un final assez laborieux. J'attendais qu'il saute, j'ai voulu placer mon contre et voilà, j'ai bafoué. Bon, la panique, le stress, mais bon, je prends, hein, puisque vu mon niveau, hein, là, toute victoire est bonne à prendre, même si je tombe sur un sac, hein, cela va de soi. Donc voili voilou, hein, voilà. Hein, sinon, quoi de spécial à dire? Rien, rien de spécial, à part que je veux une Xbox One ou une PS4 ou les deux, hein, s'il vous plaît. Hein, faites des dons, donnez-moi de l'argent pour que je puisse m'acheter une console next-gen, parce que je veux jouer à de la next-gen. Bon, même si c'est vrai que bon, il n'y a pas encore de jeu de baston. Sur Next-Gen, hein, j'ose penser qu'il y aura, enfin à part Killer Instinct, hein, s'il y a Killer Instinct sur Xbox One, mais j'espère que il y aura du Tekken Cross Street Fighter sur Xbox One ou PS4, je l'espère vraiment, et j'espère aussi qu'on verra le jeu à l'E3, hein, donc l'E3 qui arrive dans les jours qui viennent, hein. Et oui, hein. Et j'espère que ça va être un gros E3. Alors tout laisse penser que oui. Donc on verra. Hein. Tu vois là, ça m'énerve quand je fais une boule anti-air. Alors.
Oui, je suis là. Je suis là. Voilà. Bon, il a pris son rune, c'est bon. Voilà. Là, il se demande si je suis bien là. Et oui, je suis là. C'est bon. Désolé. Ouais, je disais, ça m'énerve quand je fais des boules entières et voilà. Tu vois, en fait, bon, après, en même temps, faut savoir hein, si tu fais une boule médium ou une boule high, hein, c'est pas la même. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué, le salaud. Voilà, c'est bon, il s'est pris ma boule. Allez, dernier round, c'est parti. Et oui, hein, finalement, la focus entière, hein, c'est quelque chose qui passe beaucoup online. Hein. Ouh. Tiens, voilà, là je vais tout placer. Voilà, faut que je l'enferme. Et s'il saute, je le punis. Bon, là j'étais trop loin pour. Oh, bien joué. Il est passé de l'autre côté, j'avais oublié ça. Ah, et là encore. Oh, c'est pourquoi il m'a touché. Voilà, il a pas fait de dragon, il n'a pas bourré. Il n'a pas boué. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur YouTube. Ciao.